Bonjour. Il y a des trucs là-dedans, vous pouvez pas savoir. Un jour, Jean m'appelle. Alors, il se trouve que nous on tournait un film qui s'appelle La Gamine, avec Hallyday, et on tournait ça au Portugal. Et il y a Jean qui m'appelle et qui me dit bon, je fais un film, j'ai écrit un rôle pour toi. Enfin, il y a un rôle pour toi dans le film. C'est marrant parce qu'on enchaîne, on est dans le même hôtel que vous, mais on enchaîne, c'est-à-dire que vous avez fini de tourner et nous on attaque le tournage. Je dis à Jean, t'es fou furieux, quoi, tu m'appelles, tu tournes donc dans 3 semaines, t'as un rôle pour moi dans ton film, tu m'as pas posé la question si je voulais tourner et t'as écrit un rôle pour moi. Dis donc, j'ai rien écrit, mais tu prends le scénario, t'écris ce que tu veux et on le tourne. Et je lui ai simplement dit, Jean, un, d'abord, plus jamais, et encore, à la rigueur, tu tournes, je suis sur place, sur le tournage, j'ouvre une porte, je dis, vous n'avez pas vu mon film, et je la referme, à la rigueur, voilà, faire un clin d'œil comme ça, bon. Et puis, on ne doit pas faire le même métier, parce qu'à 1 mois de tournage, réécrire un bout de scénario, jamais. Il y a une préparation, il y a un machin, il y a ceci, il y a cela, jamais. Jamais je participerai à un truc comme ça. Moi, je sortais très souvent dans une boîte qui s'appelle L'Aventure, où je me retrouvais avec quelques artistes. En général, il y avait Hallyday qui était là, il y avait Pierre Richard, on se retrouvait tous à une table. Et à partir de 3 heures du matin, quand Hallyday commençait à être un petit peu éméché, qu'il commençait à déconner, il disait: il faut qu'on fasse les Daltons, Lucky Luke et les Dalton. Alors moi je suis Lucky Luke, toi t'es vrai, t'es le grand Howell. Et puis on fait les Dalton. Alors et puis il y avait un escalier et on était juste en bas de l'escalier, notre table était en bas de l'escalier. Alors il montait sur l'escalier et puis il me disait, alors, et je te braque comme ça, il me met la scène. Il m'a fait cette scène-là, il me l'a fait pendant, il l'a fait au moins 1 dizaine de fois. Toujours, mais on l'a jamais fait. Et je trouve que si Hallyday a fait des tentatives de comédie de cinéma, il en a fait plein. Et c'est normal qu'on lui propose parce qu'on se dit, ah, on doit pouvoir se servir de lui pour faire un truc où il est crédible. Mais en fait, où il serait crédible, c'est s'il faisait le con. Et il a jamais eu. Effectivement, ça aurait fait sûrement une bonne mayonnaise. Parce qu'en plus, il y avait complicité, on se connaissait, on avait fait 2 tournées ensemble. On avait le même esprit de la même époque, qui était quand même que le rock'n'roll et tout ça était conséquence du rock'n'roll. Et que c'était au départ, pas une grosse blague pour beaucoup, mais c'était un truc qu'on essaye, quoi. Pour Hallyday, pareil. Hein.